Salut, c'est Génio, aujourd'hui pour un petit tuto Minecraft. Alors vous pouvez voir que j'ai changé les murs de pierre, je les ai mis en bois. Justement, c'est pour ce tuto qu'on va faire sur les armoires. Alors les armoires, on va en voir, il y a plusieurs modèles. Donc on va commencer tout de suite avec le premier modèle. Donc, tout d'abord, vous cassez 4 blocs de votre mur, donc comme ceci, en bas. Et vous remplacez les 4 blocs là par des escaliers en bois. Voilà. Donc là, ça fait des creux dans le mur et ça fait des petites étagères. Donc il reste plus qu'à rajouter les portes. Voilà. Et voilà. Donc là, ça nous fait déjà une petite armoire bien sympathique et en plus, on voit même pas de l'autre côté du mur. Donc ça c'est vraiment l'avantage parce que c'est bien pratique et ça fait assez beau. Voilà. Donc le deuxième modèle c'est un peu le même genre sauf que en fait ça va être un peu plus pratique parce que on va remplacer donc les deux escaliers du bas par un double coffre. Donc j'ai cassé les quatre blocs. Je mets un double coffre en bas. Je mets mes escaliers en haut. Donc je vais mettre les portes. Alors j'ai remarqué quelque chose avec les portes. C'est que si on veut qu'elles s'ouvrent toutes les deux au milieu comme ça, en fait il faut commencer par celle de droite. Droite comme je regarde là. Donc celle-ci. Donc voilà. Donc ça c'était une petite annexe sur les portes. Donc cette armoire-là, elle est un peu plus pratique parce que on peut avoir un coffre et on peut l'ouvrir. Alors pourquoi on peut l'ouvrir? Parce que tout simplement il y a un bug, c'est que les coffres, on peut les ouvrir quand ils sont en dessous des escaliers. Donc voilà, ça c'est le petit avantage de cette armoire-là. Et maintenant on va voir le petit avantage par rapport à la première, c'est que de l'autre côté du mur, on voit le coffre. Donc pour ne plus voir le coffre, enfin pour ne plus voir, j'ai une petite astuce pour le cacher. On prend de la terre, donc moi je vais prendre directement la terre avec de l'herbe, ça fait un peu plus beau. Donc les trappes que j'ai ici, et on va prendre des fleurs. Donc je vais enlever ça, des fleurs, voilà. Et en fait, on va se construire un petit parterre de fleurs, une jardinière si vous voulez. Donc deux blocs de terre. On prend les trappes, on les place tout autour, on les referme, hop, et on plante des fleurs. Voilà. Donc ça fait une petite jardinière et du coup ça cache le coffre qui est derrière. Donc voilà, c'est une petite astuce pour cacher le coffre. Et du coup, ça vous fait une armoire plus pratique que la première. Donc, comme vous voyez, les deux armoires là, ce sont des armoires qui sont intégrées dans le mur. Donc maintenant, on va voir une autre armoire qui n'est pas intégrée dans le mur. Alors, voilà. Donc en fait, c'est le même principe. On prend des escaliers qu'on positionne ici et ici. Voilà. Au-dessus, on place des demi-dalles pour faire le dessus de l'armoire. Et on place nos portes. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc là, ça fait une armoire. Par contre, voilà. Le désavantage des armoires qui ne sont pas dans le mur, c'est qu'on voit les escaliers sur les côtés. Donc pour cacher ça, pareil, il y a des petites astuces. Donc vous pouvez mettre soit des blocs, comme ça, ou alors des armoires. Ou autre chose que si vous voulez, c'est juste pour cacher les escaliers qui sont là. Donc voilà. Alors aussi, si vous voulez à ne pas avoir caché les escaliers, on peut les positionner d'un autre côté. Alors, d'un autre sens plutôt. Donc, on va prendre nos escaliers. Alors, on va en positionner ici et ici et de l'autre côté. Ici et ici. Donc, on va remettre le dessus de l'armoire avec les demi-dalles de bois.
Voilà. Et les portes. Voilà. Donc, on peut voir que celle-là, il n'y a pas besoin de cacher le côté de l'armoire. Mais par contre, si vous regardez bien, elle est un peu plus petite. Là, il n'y a que ça où on peut ranger. Alors que celle-ci, il y avait tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'est une autre, un autre type d'armoire. Voilà. Donc je vais refermer les portes. Hop. Bon, celle-là aussi. Hop. Et hop. Et donc, alors je vois que la nuit est en train d'arriver. Alors je vais dormir. Comme ça, on va avoir le jour. Alors les lits sont tout en bas. Voilà. Je vais dormir. Et comme ça, on va pouvoir continuer sur les armoires. Donc que la nuit passe vite sur Minecraft. Voilà, on est réveillé. Donc, on va continuer sur les armoires. Donc, il y a encore deux modèles que je propose. Donc, on va prendre des demi-dalles de bois. Donc, on compte les blocs 1, 2 et 3. Donc, on clique sur le troisième. Pareil ici. Ah, j'ai cliqué de trop là. Donc, ça, en fait, ça va être le dessus de notre armoire. Comme ici et ici. Ensuite, on clique sur le deuxième. Et maintenant, on clique sur le dernier. Donc, alors, pourquoi cet ordre-là? Parce qu'en fait, si on clique sur le premier d'abord, le deuxième ensuite, et ben les blocs viennent se poser sur le premier. Et du coup, ça forme des blocs normaux. Comme ce bloc-là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par ceux d'en haut. Donc, ensuite, on rajoute les portes. Ici. Et ici. Et donc celle-là, bah, c'est exactement pareil que celle-ci. Il faut cacher les côtés. Donc pareil. On peut mettre des bibliothèques. Alors, je sais pas ce que vous pourriez mettre d'autre. Non, je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre d'autre. Des bibliothèques, des blocs de bois. Je sais pas. Et donc on va voir le dernier modèle de armoire. Donc. C'est presque le même que celui-ci avec des trappes. Alors, on va positionner déjà le dessus de l'armoire. Ensuite, deux trappes ici. Et on va placer des portes ici. Voilà. Commençons par celle de gauche. Voilà. Donc là, pareil, on voit les côtés. Donc, on rajoute des bibliothèques ou des blocs. Je vais mettre des blocs ici. Et voilà. Donc là, ça fait encore un autre style d'armoire. Ah, alors là, à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est poser des coffres. Voilà. Et voilà. Donc là, on a une armoire pratique avec un coffre. Et voilà. Donc voilà, il y a en tout 6 modèles d'armoire. 7 si on compte celle-ci moins le coffre. Donc voilà. Donc maintenant, à vous de choisir celle que il vous plaît le mieux. Et donc je vous laisse pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu et que maintenant bah, vous ferez plein d'armoires chez vous. Donc voilà, c'était génial. Allez, tchuss les amis!